week-end, il faut déjà se mettre dans le bain le week-end. Vous savez, Chris, on travaille un peu trop pendant la semaine, du coup, quand c'est le week-end, il faut se laisser trouver les vrais moyens pour se défouler. Voilà, pour se défouler un peu, c'est important. D'accord. Bonjour à vous sur le plateau et à tous les spectateurs. D'accord. Alors, Cynthia, bien le bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à toi. Bien dormi? Voilà, bon, je ne pense pas si les téléspectateurs t'écoutent bien. Bien sûr que tu es un peu trop mielleuse ce matin. Ah, good morning to everybody on set. And good morning to all our televiewers. It's the start of the weekend. I wish you just the best. D'accord. Alors, Franck Cyril, avec vous, on apporte un bonjour riche en symboles et en articulations. Oui, en réalité, je voudrais dire bonjour à tous les téléspectateurs ce matin. Bonjour à ceux qui ne nous aiment pas beaucoup, il y en a, ça c'est très important de le préciser. Et bonjour aussi à ceux qui donneront des milliers et des milliers de choses pour pouvoir avoir ne serait-ce que notre petit sourire au quotidien. Ça, il faudra savoir que cela existe aussi. Mmh. Alors, et c'est tout ça qui fait un monde. Si vous ne mettez pas tout ça ensemble, vous risquerez de vous retrouver à l'étroit parfois. Pourtant, vous ne vous reprochez de rien ou encore les gens vous en veulent pour rien. Alors, je m'arrête ce matin là-dessus pour faire un clin d'œil à ceux qui se retrouvent dans les différentes postures que j'ai dit. Mais le plus, la chose la plus facile en fait, c'est quoi en ce moment-là? C'est de rester zen dans sa posture, se dire que vous avez une seule conscience à laquelle vous devrez répondre. Et le reste là, ça n'en vaut pas la peine parce que il y en a qui sont seulement prêts à briser votre sourire, votre élan et surtout votre envie d'avancer. Ils sont pleins en coup de route. Et si vous mettez ça ensemble, vous allez vous rendre compte que vous ne devrez pas compter sur ces personnes-là. Mmh. Avancez parfois la tête baissée et oubliez que ces personnes existent. Ah ouais. Si en coup de route, vous trouvez des personnes agréables, avancez avec elles. Vous ne trouverez pas. Continuez tout seul. De chemin et puis le reste, ça va aller. D'accord. On va prendre maintenant la toute première rubrique, la rubrique civilité. On va mettre sur la table des sujets, comme je vous ai dit, des sujets qui seront donnés par les acteurs de ce plateau. Et ensemble, on pourra donc donner nos avis là-dessus. Marie-Cole, je suis avec vous. Oui, aujourd'hui, nous traversons une période très très délicate. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne dise que il y a eu peut-être attentat, bombe explosée là-bas, agression physique. On sait bien le cas, de cet élève qui a poignardé, et tout. Mais ce matin, j'aimerais qu'on parle avec vous de la pause et de l'explosion des bombes. On sait ce qui s'est passé de l'autre côté des Voya. Tout à fait, Chris. Je ne pouvais même pas parler de cela. En faisant un clin d'œil surtout à tous ceux-là qui attendent les autres pour sourire dans leur vie. On ne devrait pas attendre les autres pour sourire dans la vie. On devrait chercher son bonheur soi-même. Donc, si on devrait s'arrêter sur ces bombes-là, ça veut dire qu'on va toujours trouver une raison d'être négatif dans la vie. Maintenant, parlons de ces bombes proprement dites. Je voudrais parler du cas de Voya particulièrement, où on a vu les étudiants qui étaient à l'université même, qui ont été atteints par l'explosion, donc par la bombe. Je sais qui est derrière tout cela, personne ne sait pour le moment. Et le cas de ce taximan qui a été également atteint dans son taxi, il a même rendu l'âme plus tard à l'hôpital. On a aussi le cas de Bamenda ou à T-Junction particulièrement, plus précisément. Dans le cas de l'université de Boya, on a eu plus de blessés, pas de morts. Oui. Et parlant du cas de Bamenda, pas de Bamenda, toujours de Boya, mais le taximan, il a rendu là, malheureusement. Et on parle aussi du cas de T-Junction, ça c'est à Bamenda. Heureusement, pas de...
vrai que ça s'arrête tout de suite et il faut véritablement le dire et peut-être plutôt même dit, vous dites un mot là-dessus qui tient la route. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai dit, quel est l'intérêt de ce que vous êtes en train de faire? À un moment, non. Réclamons, on peut réclamer d'une manière ou d'une autre. Et vous vous rendez compte que chaque manière a échoué. C'est quand ça change, c'est que l'un a échoué hier. Je ne veux pas rentrer là-dessus, ce sera long, mais c'est la conséquence des échecs. Vous avez demandé, ça fait combien d'années les enfants d'autrui ne sont pas là à l'école? Mais aujourd'hui, vous mettez maintenant les bombes. Vous mettez les bombes. C'est dans l'université. Alors, quels sont ceux qui fréquentent dans ces universités-là? Il y a et les anglophones, il y a les francophones, il y a les bamilékés, il y a les arabes, il y a les étrangers là-dedans. Ça vous sert à quoi de tuer les gens d'autrui pour rien? Utilisez autre chose. Utilisez vos villes mortes. Moi, je préfère encore, au lieu de mettre le sang sur les mains, les gens sur le carreau. Non, vraiment, utilisez autre chose et laissez la vie des gens. Je pense que ceux qui le font, c'est le désespoir. Ouais. Voilà, c'est le désespoir. Ok, ceux qui le font, c'est le désespoir. Mais on aimerait savoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce désespoir? De toutes les façons, on pourra donc y revenir. Sentia, votre avis sur ce sujet posé sur la table par Marie-Cole ce matin? Les bombes. Recently, I heard that this thing was happening just in the Northwest, and that it wasn't happening in the Southwest. Surprisingly, the thing has gotten to the Southwest region. It's massive. People tell me that people, like I keep saying, that these guys have to stop
the war and things like that. I think that we have people that are in command and that can help us stop this war. Recently, we talked about the construction of the Northwest and the Southwest region. My main problem was that, what are they reconstructing? Something that has not finished yet reconstructing? It must be finished before they start reconstruction. So you see that somewhere there's a problem, there's a big problem. This explosion is even getting to people that don't even know anything about the war. The innocent people are suffering out of this. How many children are still in the hospital because of the one that had to explode in the University of Buya? How many? There's so many, and they say the thing is... what to do. Then they should do it. They should. We don't want things to be like a poisonous gift. They give you a gift that is poisonous. No. They know what they're supposed to do, and they should do it. It's not how they say, oh, people should drop their arms. That way has not worked. That method has not worked.